Wow, ça c'est un petit set, ça. Hey boy. Wow, Phil. Il est vraiment beau. Wow. Alors, tu peux montrer la bouteille? Je vais faire un test de goût. Alors aujourd'hui, c'est le Lipton thé glacé ou Nesty, comme on dit en français. Alors, Philemon, saveur de pêche. Alors, on goûte pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça goûte? La pêche. Oui. Ouais. Yes. Ah. Ça, c'est un vrai beau-frère, ça. Familial, barbecue, ouais, merci. La bergeoire, mais après, ça a continué. Hein. Alors, salut les tout-petits, de retour pour le test de goût. Aujourd'hui, une spécialité de nos cousins français, le Curly de Vico, l'original. Curly, fais-toi des amis. Alors, Philemon, un grand fan de Curly comme ton père, vas-y, goûte. Ça goûte les pinottes. Ça goûte les pinottes. C'est croustillant. C'est croustillant, c'est léger. Sur 10, mon homme. 10. 10 sur 10, les curlis. Bravo. C'est facile, hein, t'as vu? Oui, ici. Voilà. Oui. Tellement ça, c'est le plat de salade de pâtes. J'en ai pour 3 jours. Ouais, ça te fait tes salades. On va en servir d'autres, Estelle. Bien. Oh là, il mange du pain. Oh. Bon, cette fin d'année, ça se prépare. Allez. Ah ouais. Wow. Top là. Bravo, mon homme, t'es bon, je suis fier de toi. Alors, le relou, c'est moi encore pour la chronique dégustation avec Philemon. On a, qu'est-ce qu'on a ici, Phil? On a les biscuits Prince goût de chocolat au blé complet. Alors. Alors, on monte la texture. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? OK, c'est bon. Neuf. C'est un succès? Alors, Prince de Lu, c'est pas le petit écolier, mais ça marche. Thank you.
Ouais, c'est la vie. J'en ai fait un à Agde. Mais c'est la vie, Cap Fun. C'est des campings et c'est spécialisé pour les familles.